Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Crash Bandicoot XS. Et j'étais arrivé ici, le temple de la malédiction. Donc on repart dans la malédiction du temple. Donc c'est un épisode un peu spécial dans le sens où, disons que je suis pas très bien parce que je viens de faire une bêtise. Non, j'ai pas fait de bêtises. C'est juste que je sors d'opération depuis lundi, quoi. Là, on est vendredi et que forcément, ça va pas. Disons que ça va pas tellement bien. Voilà. J'ai connu mieux, voilà. Et même pas, on est vendredi, on est jeudi en plus, c'est un peu con. Donc, ça va pas forcément bien. Mon œil coule de temps en temps, donc c'est un peu. Pleure de temps en temps parce que couler c'est un peu particulier quand même. Donc de temps en temps ça arrive, c'est un peu chiant. Donc j'espère que ça va tenir. Oh putain, explosé! Mon dieu. Alors bon. Donc j'essaie de tourner un épisode pour voir si tout va bien. Chose que j'espère. Ah c'est bon. Ouais! Ouais! Ah bah ça n'explose pas. Moi ça va, une wompa pour finir. Parce que j'aime bien finir, sauf que là le problème c'est que j'ai fait n'importe quoi, donc on va se suicider. Voilà. Donc là on reconnaît bien la petite musique de Crash Bandicoot quand même, c'est sympa, ouais. Je trouve ça bien qu'ils aient gardé les petites musiques de Crash Bandicoot. Bon par contre je peux pas accélérer comme je veux le petit Bandicoot, ce qui est relativement dommage. Donc on va éviter de se faire fêler quand même, voilà. En plus ce qui est un peu chiant, c'est qu'à chaque fois que vous avez un jeu, à chaque fois vous avez ces petites cinématiques d'introduction avant le menu, ce qui est assez dérangeant quand même, ouais. Donc j'avoue que ça m'agace un peu. Et du coup vous êtes obligé de vous la taper et c'est pas forcément génial. Surtout que j'ai 4 gouttes à mettre là le matin dans l'œil, je vous dis pas, c'est assez joyeux. Et non seulement c'est joyeux, mais en plus, j'ai récupéré normalement là. Ah ouais, non, c'est pas la gemme, c'est au niveau bonus. Mais non seulement c'est joyeux, mais en plus la dernière pique comme je sais pas quoi. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Enfin bref, trêve de ziotage, voilà. Hop. Oui, ouf, j'étais pas sûr. Non! Oui! Mon dieu, j'ai eu très peur. C'est raté. Vas-y, fallait. Allez, vas-y. Vas-y, mon lézard! C'est Oscar! Oscar, le lézard! Oui, ça rime, pourquoi pensez-vous que j'ai pris Oscar? Oh, parce qu'en plus, déjà, Oscar le lézard, ça existe vraiment! Un dessin animé que je vous conseille. Fait par en partie par des Français en plus. Ah le boulet! Je me suicide ou pas? Non, y a pas, vas-y, suicide. Suicide! Voilà, on va aller redire bonjour à Oscar. Sauf que là, Oscar, il est rose alors que normalement, bah, il est peut-être bah, plus comme la plateforme est-ce que je suis en fait, voilà. Il a plus la couleur de la plateforme. Attention de pas se faire exploser. Cuit, je te vois là, cuit. Oh, clac, tiens. Mangez. Ouais, non. C'est pas grave, au moins j'ai explosé la caisse, c'est tout ce qui compte. Ah oui, c'est vrai, mais je peux pas le récupérer, je suis con, quoi, moi, oh. Putain, mais le... en plus, je recommence bêtement ce niveau là. Alors qu'il n'y avait même pas besoin, j'aurais dû directement aller au niveau 4. Non, mais franchement, mais quel couillon quoi. 68, 69. Bing. Ouais. Yes. 71. Sur 64, ouais, parce qu'il ne veut pas en rester des masses. Vous voyez là qu'il n'y a rien, et voilà, hop, je l'ai dans le host. Au moins, ça vous a fait un petit récapitulatif.
petite caverne des glaces. Ouais. Un niveau que j'aime bien, avec la musique qui va avec. Oh, la petite pingouin, il est trop mignon. Voilà, cette musique de Snowgo, vraiment, c'est génial. J'adore ce niveau qui fait vraiment penser à Crash Bandicoot 2. Ben, je crois que ça a été fait avant Crash Bandicoot 2. Il me semble, je suis pas totalement sûr. Faudrait que je revoie les dates de création de jeu, mais en tout cas, c'est un jeu que j'aime particulièrement. Ah ouais, merde, j'avais oublié ce détail. Ah bah ça va, au moins il explose des caisses, c'est déjà pas mal. Non, attention. Ah, au moins, vous avez au moins les bons pas pour vous aider. Oh non. Ouf, au moins il m'explose des caisses, je dirais, c'est déjà pas si mal. Bang. Accélère. Oh là, ouf, c'est bon, j'ai récupéré les caisses. 4 de plus. Ah non. Ouf, il a explosé. Ah, le checkpoint. Personne m'a mis le checkpoint, en gros. Wow. Même pas ils vous préviennent. J'y crois pas là, mais même pas ils vous préviennent qu'il y a des nitros. Ah non, mais c'est absolument un gros scandale. Ah bah forcément, bah oui. Hey, comment voulez-vous avoir de la profondeur dans ce genre de jeu? C'est absolument impossible. Clac. Et voilà, forcément je m'assois dessus, moi. Je m'assois sur les pingouins, et des pio, le pingouin. Un peu le poussin pio, il y a le pingouin pio, voilà. Ce qui est pas du tout. Oh, le pauvre pingouin. Et le pauvre polar qui va se retrouver avec son papa ou sa maman, je sais pas. J'ai pas pu faire la différence, excusez-moi. Qu'est-ce qui. Ah non! Boulette! Hihi! Hihi! Deux fois la même connerie, comment je peux en être capable? Ah ok, en fait, il y a un mini temps de réaction. Et donc forcément ça fait ça. Oh! Il est tout blanc lui! Oh! Les femmes sont pas blancs normalement! Ah, le bonus! Ouais, là j'avoue que c'est vraiment tiré de Crash Bandicoot 2. Autant le 3, le deuxième niveau est tiré. Enfin oui, tiré plus du 3, donc je vais répondre moi-même à la question. Mais autant le deuxième niveau correspondait au 3, là autant il correspond clairement au Crash Bandicoot 2. J'aime bien ce. Ah merde, je me suis planté. Yeah, mais je suis planté! Et le problème. Ah non, ça va, je vais pas. Yeah, mourir! Yeah, voulez mourir! Yippie, yippie, mouri. Oui. Oui. Je vais mourir. Ah non, c'est pas qu'il faut. Oui. Je suis zombie. Je m'explose partir comme une crêpe. Ah, j'adore ça. J'adore les crêpes. Clac. Ouais. Le problème c'est que je peux pas avoir les machins, ils sont marrants. Vite, avant qu'il explose. Bon, le problème c'est qu'ils m'ont tout explosé là, je peux rien faire. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous y sommes, mes gens. Clac. Oui. Yes. Et nous avons fini. Ou presque. Oui. Bon, je sais pas encore si ce sera un 100%, mon dieu. Où qu'il faut aller. Ok. Ouais. Ouais. Ok. D'accord. Oh, putain, mais c'est quoi c'est. Non. Non. C'est extrêmement. Oh putain, encore un fail, mon dieu. On est parti pour un épisode failitique, ce qui est quand même très rare dans Crash Bandicoot XS, je peux vous dire. Bah, bon, des fails, ça arrive. Oh, mais là, j'aime. Oh, j'aime ça. Ah, pipi. Ah, bah là, c'est encore. C'est encore un truc à la Crash Bandicoot 2, hein, où on reconnaît déjà de 1 la musique et de l'ambiance. Hein, les fameux niveaux dans la tuyauterie. Donc là, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de serpent de électrifiant, tout ce que vous voulez. On est tranquille. Par contre, il y a toujours ces souris de malheur.
Yippee. Voilà, il n'y a rien de compliqué dans le premier monde, c'est vraiment... Enfin, rien de compliqué, Dixit, celui qui est en train de faire une connerie. Waouh. Heureusement qu'on perd pas de vie, sinon je l'aurais dans l'os. Mais il faut pas aller trop vite non plus, quand je m'en écoute, il faut jamais aller trop vite. Cette fois-ci, ça dépend quoi. Et en général, faut pas aller trop vite. Ouais. Oh, j'aime bien quoi, il y a plein de Wumpa comme ça là. Oh, le boulet. Il a pas voulu sauter, c'est pas vrai, il a pas voulu sauter. Il a point voulu sauter, mais si. Ah, voilà, n'oublions pas les Wumpa, très important ces Wumpa. Oui. Non. Ah oui. Ça a marché. Je sais pas si ça marcherait, mais oui. 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 Bip. Bon, là, je n'ai pas d'autre choix que de biper la caisse. Putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Et vous avez vu qu'il y a 47 caisses dans ce bitonio là. C'est assez explosif, dis donc. Oh putain, j'ai peur. Oui. Pourquoi je fais ce oui de façon aussi étrange? Voilà, hop, 47 sur 47, on est bon! Youpi! Doom, dégagez! Non, et si tu ne sautes pas sur la TNT, mon grand, ça n'a jamais le. Voilà, en dessous, ça n'a jamais marché. Oui, voilà, on est pas de 134 caisses encore, oh là là. Il y a tellement de mon dieu, caisse! Tellement de mon dieu, caisse, oui. Je sais que c'est pas très français ce que je dis. Oh putain, mais. Oh là là là! Je choquais! Bye bye! Adieu, monde cruel! Je vais me suicider! Yihi! Wihi, 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 wihi! Et on se paraît dans beaucoup. Imaginez qu'il y ait l'inscription TNT aussi. Pile au moment où vous faites ça, ça peut être tendancieux. Il y a de l'idée dans l'air. En plus que j'ai vu il y a quelques jours de cela une info comme quoi il y avait un Spyro et un Crash qui était en ou alors non, il y avait un Crash. Non, bref, il y avait un. Non, ouais, c'était bien un Crash inspiré, il me semble, qui était enfin, qui était en cours de préparation, je vais y arriver, mais qui malheureusement, l'année dernière, mais qui malheureusement n'ont pas fait. Ils n'ont pas été finis, ils ont même été abandonnés pour l'instant, voilà, le projet est mis en pause, non, il n'a pas été abandonné, il est carrément en pause. Voilà, mais sachez en tout cas qu'il y a des jeux Crash Bandicoot et Spyro qui étaient. Qui avait été commencé l'année dernière, j'ai vu l'information sur un site indépendant et malheureusement c'est pas fait, on a eu quelques artworks, quelques images de. Je sais pas vraiment si c'était vraiment des images de jeu. Ça paraissait plutôt pas mauvais on va dire, voilà. Sans être transcendant comme Oddworld a pu l'être. Parce que vraiment quand vous voyez Oddworld c'était vraiment. Ça nous transcendait tellement que c'était. Parce que perso, je bavais devant les nouvelles images de Oddworld à chaque fois. Et là, j'avoue, ça me faisait un peu moins baver les images de Crash, là. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon. Sachant en tout cas que la franchise n'est pas morte, ou du moins, espérons-le. Parce que bon, j'aimerais bien rejouer à des Crash, ou qu'ils refassent des Crash en HD. Il y a vraiment un potentiel sur ce jeu, je sais pas, genre vous faites 100 niveaux dans un jeu. Voilà. Allez, dans Dark Cloud, il y a bien un monde. Quand on a fini le jeu, il y a bien un monde qui se libère avec son niveau de donjon. Quoi. On sait jamais, ils peuvent faire ça, non? Oh! On peut demander un peu de trucs quand même! On peut demander un minimum, non? Oh! Eh ouais! 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 Attention à ne pas se failer. C'est dommage de failer à l'arrivée. Eh oui, nous y sommes.
Et vous devinez quoi, je peux en plus essayer de vaincre Dingue Deal. Ouf, qu'est-ce que je fais en fait? Oh putain. Ah, mais en même temps, faut que je sache ce qu'il faut faire moi, oh. Ok. Oh le con. Tiens mon gros. Ah ah. Mais il est... Mais je suis con. Je suis con. C'est pas lui qui est con, c'est moi qui est con. Dingue deal. Hey dingue deal. Tiens le dingue deal. Oh le couillon. Non. Bon non, j'ai encore 27 vies, ça va. C'est pas la mort à... C'est pas la mort à boire. C'est pas la mort à boire, bien sûr. Vas-y. Et le pauvre couillon va se tirer dessus lui-même. Regardez, clac. Et Dingody reçoit un point de vie en moins. Oh le con. Forcément, j'ai voulu accélérer parce que ça n'allait pas assez vite. Et finalement, c'est moi qui fais failler moi-même. Clac. Allez, Dingody. Oui. Non, 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 non. Mais dégage. Oh. Dingue deal, oh, oh. Clac. Oh putain. Hop, il suffit d'attendre un peu le... Ah ok, en fait il va toujours se faire claquer à gauche. Ok. Là au moins on sait comment que ça marche. Oh putain. Ça, mais, en fait, mais il le fait à chaque fois, lui il est con quoi. C'est un malade, il est dangereux. Il est dangereux le dingue deal. Tire, hein, plus qu'un point de vie, Dingue Deal. Plus qu'un point de vie, qui va les perdre, Dingue Deal. Hihi, hihi. Et Dingue Deal, c'est Dingue Deal. Donc là, je sais pas pourquoi j'attends encore des requins. Ouais. Donc ça va, le requin est passé. Heureusement. Donc là, lui, il va repasser, je pense. Avec un nouveau requin. Non. Maman. Oh putain. T'as chaud. Et tiens, Dingue Deal. Oh les poulets de Dingue Deal. Viens jusqu'ici, Dingue Deal. Viens là, espèce de poulet. Oh putain. Ouh, ça fait chaud. Clac. Wow. Explosé. J'étais missilé, mais alors comme un gros débile. Oh putain, ton sort de faire missiler des affreux, ça serait quand même dommage. Allez, tiens, un combat qui ne manque pas de piquant. Voilà. Boum, le 2 en 1. Et le 3 en 1, même pas. Mais pas de 3 en 1, ça monsieur. Vas-y, viens là, dingue deal. Non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non, mais je suis con. Je vais aller trop vite cette fois. Tiens. Encore un requin qui va arriver à droite. Il est léché. Il est pas léché, il est léché. Hop. Oh, mon dieu. Oh mon dieu. Allez la godille. Oui. Mais la godille est con. Dingue godille est con puisqu'il a perdu. Et j'ai gagné le... Super écrasement en l'air. Appuyez sur R pour tout détruire. Appuyez sur Start pour continuer. Maudit marsupial, tu as eu de la chance cette fois. Mais mes hommes de main ne se laisseront pas berner si facilement. Non, je grimpe à l'étage supérieur. Sauf qu'on va juste en fait... sauvegarder la partie et se laisser. Écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous, au revoir et bon appétit bien sûr. Bye.